Et nous voici en ce J5, on est dimanche, et même le dimanche, je vous fais des vidéos. C'est pas juste génial ça, voilà, c'est juste génial. Donc voilà, donc je suis trop contente de vous retrouver. J'ai remarqué, et on m'a fait remarquer que je parle très vite. Oui. Alors, je parle vite parce que c'est un sujet qui m'anime, que je suis passionnée et que j'ai envie de vous transporter. Après, je suis comme ça aussi et c'est ok. Donc voilà, j'essaye de vous transmettre le plus d'informations possible. J'essaye d'être le moins longue possible et également, j'ai pas envie de vidéos qui durent une demi-heure, trois quarts d'heure. Voilà, si vous voulez me retrouver en format long, vous pouvez me retrouver sur mon podcast qui dure 45, une heure et quart. Voilà, ça peut être très long. C'est vrai qu'en vidéo j'aime bien que ce soit assez condensé et assez rapide, donc c'est pour ça que je fais ça. Et comme je vous l'ai appris et comme je vais vous l'apprendre, encore une fois, faites-vous confiance, faites comme vous le sentez, et je le sens comme ça, donc je fais comme ça, voilà. Mais merci quand même pour vos retours, et puis j'espère que ça ne vous empêchera pas de continuer à m'écouter. Je vous embrasse énormément. Donc le sujet du jour, Elodie, passons au sujet du jour, c'est le podcast. Je suis fan des podcasts et aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi faire un podcast. Alors revenons déjà à la base. Un podcast, c'est quoi? Alors un podcast, c'est tout simplement un fichier audio que vous pouvez écouter partout et quand vous voulez sur les sujets que vous souhaitez écouter. Donc c'est génial parce que quand vous avez une émission de radio, vous devez écouter l'émission de radio à 19h pour écouter tel sujet, à 20h, à 10h, n'importe quelle heure, mais vous devez écouter la radio à l'heure où elle est diffusée. Bon, et entre temps vous avez des pubs, vous avez des musiques, vous avez des choses qui ne vous intéressent pas, et là le podcast est là, la révolution du podcast est là, et c'est-à-dire que vous choisissez le sujet que vous voulez écouter et vous écoutez le sujet que vous avez envie d'écouter. C'est pas juste génial ça, et où vous voulez, c'est-à-dire que vous pouvez l'écouter à minuit, à 4h du matin, vous pouvez l'écouter en courant, en prenant la douche, vous l'écoutez où vous voulez, donc c'est juste génial. Moi j'adore ce format parce que vraiment ça nous donne une opportunité infinie, voilà. Et donc pourquoi du coup créer un podcast pour votre entreprise? Alors là tout simplement vous allez voir, vous allez avoir plein de possibilités. Vous allez pouvoir déjà vous affirmer dans votre domaine, peu importe le domaine, que vous soyez coiffeuse, assistante maternelle, n'importe quel domaine, entrepreneuse, coach, thérapeute, peu importe le domaine, le podcast est un moyen sur lequel vous pouvez communiquer. Donc si vous êtes à l'aise pour parler, c'est clairement un format que vous devriez envisager. Donc vraiment un podcast va asseoir votre légitimité, vous allez pouvoir prouver votre expertise, voilà, tout simplement, et vous allez aussi du coup développer votre audience, développer votre réseau et développer votre communauté, et peut-être aussi développer vos clients. Donc clairement le podcast est vraiment infini, les possibilités sont infini. Dans une autre vidéo, je vous montrerai du coup le matériel que j'utilise pour les podcasts. Ça fera le sujet d'une autre vidéo. Mais en attendant, donc pourquoi créer un podcast? Vous allez voir, c'est juste fascinant. Vous allez pouvoir créer un podcast que sur vous. Vous allez pouvoir vous mettre là et enregistrer un épisode. Peu importe votre domaine. Vous êtes coiffeuse, vous pouvez enregistrer un épisode sur les tendances du moment, sur les shampoings, quel shampoing utiliser pour quel type de cheveux, voilà, c'est possible. Vous pouvez également, et c'est un format qui marche très bien aussi comme ça, en tant qu'interview, vous pouvez interviewer des professionnels de votre secteur pour pouvoir
développer également votre réseau parce que là, justement, en interviewant d'autres personnes, vous allez rentrer dans leur réseau puisqu'ils vont partager l'épisode à leur communauté. Leur communauté va commencer à vous connaître et peut-être vous suivre. Donc ça va aussi étendre votre domaine d'expertise. Donc pour toutes ces raisons-là, le podcast est un excellent, excellent moyen. Et je vais vous dire encore mieux. Une dernière petite chose, le podcast est juste très 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 simple pour créer un podcast. C'est très simple, presque vous n'avez besoin de rien. C'est-à-dire que il y a des personnes qui enregistrent leur podcast avec leur microphone de téléphone, tout simplement. Donc vous pouvez tester comme ça. Moi j'ai commencé avec des micros. Je vous montrerai de toute façon tout dans une prochaine vidéo qui apparaîtra cette semaine. Mais vous allez pouvoir développer votre podcast avec rien. C'est-à-dire que votre téléphone peut vous aider à créer un podcast. Donc c'est juste génial. Vous allez voir, c'est magnifique. Voilà, magnifique. C'est génial. On adore. Voilà, on adore les podcasts. Donc moi, ce que je vous conseille, si vous aimez ce format de podcast, si vous êtes à l'aise à l'audio et si ça vous titille depuis quelques semaines d'enregistrer un podcast, lancez-vous. Comme on disait hier avec la confiance en soi, ce qui développe notre confiance en soi aussi, c'est de se lancer. Donc, lancez-vous. Voilà, donc voilà, je vous ai donné les essentiels pour créer un podcast. Je vous mets tous les liens du coup et toutes mes informations en description de cet épisode. Je vous souhaite un excellent dimanche. J'ai essayé de faire assez court pour un dimanche pour pas trop vous embêter. Je vous souhaite un bon dimanche. Je vous dis à demain et je vous souhaite une belle journée.